On s'arrête quand on a faim, on dort quand le soleil se couche parce qu'il n'y a pas forcément de lumière non plus. Oui. On se lève quand le soleil se lève parce que justement on est réveillé dans la tente. C'est ça. C'est aussi un peu un retour à la nature, même si c'est une nature qui est encadrée, domestiquée, mais un peu plus proche que quand on est à la maison. Ça roulait bien ce matin ? Ouais, ça roulait bien. Et c'était beaucoup plus agréable qu'hier. Hier ? Là, il reste que 5 km avant la pause déjeuner. Donc il faut pas manger trop trop. Première randonnée en vélo, en fait, c'était un moment de vie qui était assez difficile dans notre histoire et dans notre parcours de vie. Et on a vraiment eu besoin de partir, en fait. Enfin, c'était vraiment presque un voyage thérapeutique. Et de partir sur la route, de partir finalement avec uniquement notre propre énergie à nous. Et on n'en avait pas beaucoup à cette époque-là. Et on a pris nos vélos, on est parti de la maison. Donc c'était il y a 8 ans maintenant. Un petit peu sur le visage. C'est très Gaëlle. Mmh. Et voilà. Tu veux Jeanne? S'il te plaît. Allez, roule, roule, roule. Doucement, Gaëlle, doucement. C'était trop froid, c'est ça? Ah oui, Soéline. Tu en veux encore? Oui, encore. C'est tout? Ça nous paraîtrait presque une hérésie de se dire qu'on part en avion à chaque vacances. Alors on connaît des gens qui le font et qui en sont très contents et qui postent leurs photos. Et des fois on se dit ça nous fait envie aussi d'avoir des belles photos comme ça. Mais nous on n'a peut-être pas d'aussi belles photos, mais on a probablement d'aussi beaux souvenirs. Tomate. C'est gros ça. Oui, ça c'est gros, je vais couper en deux. Même les endroits où on avait prévu des fois de s'arrêter, on se rend compte que c'est pas l'endroit idéal et donc on découvre des jolis sites comme ici où on n'avait pas forcément envisagé de s'arrêter ici. Et puis c'est le joie de les joies de l'aventure et du hasard aussi. Toute l'année, on essaye d'être à l'heure, donc là, on prend le temps. Des bisous. Allez, je ferme. Gaëlle, il est parti loin. Oui, Gaëlle, il est parti. Économise tes forces. Allez, Choupette, c'est parti. C'est lourd. L'idée aussi de transmettre ce rythme de vacances qui a un rythme un petit peu différent peut-être. Clairement avec Gaëlle on pense qu'on a réussi à lui transmettre ça. Et puis que le vélo, il est né sur un vélo, je pense, cet enfant. Donc.
qui nous fait 19,40. Oui, c'est réglé par carte. Et puis on réservera des limousines aussi pour demain matin. Je vais mettre le piquet rouge là, ici là. Là. Donc là, le rouge, tu le remets. Vas-y. Est-ce que tu veux que je le fasse? Voilà. Il faut que le gris passe de l'autre côté. On s'arrange quand même pour pas avoir des étapes trop longues et pour le coup, que les enfants puissent aussi jouer le soir, profiter de la piscine, que nous on puisse aussi se poser pour boire un coup en terrasse le soir, mais aussi la journée, parce que finalement, on n'a pas non plus d'horaire d'arrivée. Donc si on a un coin sympa, une guinguette au bord du Loir qu'on trouve et puis qu'on a envie de s'y poser une heure et demie, on s'y pose. Et c'est aussi ça les vacances, de ne pas avoir d'horaire et de ne pas avoir à se dire on a des gens qui nous attendent et donc à telle heure il faut absolument qu'on soit arrivé et il faut qu'on pédale pour arriver à telle heure. Ralentir dans le quotidien, je sais pas si ce serait le bon terme, parce que c'est vrai qu'on a quand même des quotidiens, en tout cas nous, qu'on trouve trop rapides, même si on a essayé de mettre des choses en place pour que on ait un peu plus de temps en famille et de temps pour vivre. Enfin, on est à temps partiel tous les deux, par exemple, alors qu'on a des métiers à responsabilité tous les deux, mais on a fait ce choix-là aussi. Allez, Soline, à table. Tu veux manger la soupe? T'es contente de ta journée? Oui, je suis très contente de ma journée. Là, je suis contente de la pluie. Oui, la pluie nous a rafraîchi un peu, c'est vrai. Et ça m'a... Quelques gouttes chaudes. T'aurais voulu que hier soit comme aujourd'hui, c'est ça? Même route, tout ça. Mais hier, c'était un petit peu difficile. Non, c'est l'intérêt de faire la balade en vélo, c'est que c'est varié. On voit plein de paysages différents. Hier, c'était où on rebouquait du fromage? Alors, nous sommes passés à côté de Coulommiers, effectivement. On se découvre aussi tous les quatre, oui. Un peu plus encore à travers cette simplicité du voyage et cette itinérance. Le fait de partir de la maison, de faire ce voyage à vélo, nous permet effectivement de passer plus de temps avec les enfants et de consacrer... de voir leur évolution aussi, de voir nos enfants grandir. Donc ça, c'est des bons moments à passer avec eux, en fait. Au revoir, bonne route.